La loi Allure pour accès au logement et à un urbanisme rénové est l'un des dossiers chauds de la rentrée parlementaire. Il modifie en profondeur les relations entre propriétaires et locataires. Et parmi les dispositions prévues dans le texte, il en est une en particulier qui suscite de nombreuses interrogations. C'est la mise en place de la GUL, Garantie universelle des risques locatifs, qui pourrait voir le jour en 2016. Alors pour y voir plus clair dans ce débat, j'ai invité Bernard Worms. Bonjour Bernard Worms. Bonjour. Alors première question, quels sont les objectifs de la GUL et est-ce que ce sont ces objectifs qui posent problème? Non, pas du tout. Je crois que c'est cet objectif et ces objectifs, ils sont consensuels. Ils partent d'un constat. Il faut bien voir que le bailleur, quand il choisit un locataire, regarde deux choses. Son niveau de revenu, c'est-à-dire sa solvabilité, et les garanties qu'il peut offrir en cas d'impayé, quels que soient les motifs de ces impayés. Et si la garantie qu'il peut offrir est faible, il aura tendance à exiger un loyer plus élevé. Alors les impayés, c'est un problème considérable en France. Le montant global de ces impayés pose problème? Non, le montant global des impayés n'est pas important. Mais la propriété en France est très émiettée, c'est-à-dire que 60% des bailleurs possèdent moins de 3 logements. Donc ils ne peuvent pas avoir une vision statistique de l'impayé. Pour eux, un impayé est catastrophique. Le débat porte sur l'universalité, hein. C'est le mot clé de cette garantie universelle des risques locatifs. Alors que faut-il entendre par universalité? C'était déjà la question qui se posait avec l'expérience précédente qui s'appelait la garantie des risques locatifs. Et dans le système précédent, le bailleur devait décider de prendre cette garantie dont il assumait une partie des coûts. Donc dans les endroits où il pouvait trouver des locataires qui offraient toute sécurité, il ne la prenait pas. Donc à mon sens, la garantie universelle peut être comprise comme la garantie qui est offerte à tous les gens d'une certaine catégorie, sans que le bailleur ait à se décider. Mais d'autres personnes considèrent que la garantie doit s'appliquer à tous les logements. Voilà, c'est un modèle un petit peu comme la CMU, comme la couverture maladie universelle. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je crois que la CMU a été prise comme modèle à l'origine. Bon, à mon avis, ça ne peut pas fonctionner comme ça pour une raison. Au fond, il y a deux types de marchés. Dans les marchés tendus, le logement et l'accès au logement fonctionnent comme une file d'attente. Si vous donnez la même garantie à tout le monde, vous n'avez pas modifié les choses. Dans une file d'attente, si tout le monde avance d'un pas, la file n'est pas modifiée. Donc il faut, dans ces zones tendues, un produit discriminant. Et dans les zones non tendues? Et dans les zones non tendues, le bailleur est plutôt à la recherche d'un locataire et on ne voit pas pourquoi on ajouterait le coût d'une garantie qui lui permettra peut-être même de ne pas ajuster son loyer à la demande, puisque dans les zones non tendues, l'offre est souvent supérieure à la demande. Un système de garantie universelle des risques locatifs pourrait-il permettre d'accroître l'offre de logement? Écoutez, il y a deux choses. Il y a d'une part, on parle parfois de la remise sur le marché des logements vacants. Ça, il faut bien dire que toutes les expériences se sont révélées infructueuses et pas un expert ne croit à la réalité des logements vacants dans les zones tendues. D'ailleurs, on a du mal à imaginer quel objectif poursuivrait un bailleur qui préférerait la certitude de ne pas percevoir de loyer à l'incertitude d'en percevoir irrégulièrement. Bon. Alors le deuxième élément, c'est est-ce que cela peut susciter des vocations de bailleurs? Ça c'est possible, on ne le sait pas. Ce que j'observe quand même, c'est que le parc locatif privé français est un des plus développés en Europe. Alors, dans le débat, l'un des arguments en faveur de l'universalité, c'est qu'elle permettrait de mutualiser les coûts. Qu'en pensez-vous Bernard Worms? Non, je pense que offrir une garantie des risques locatifs dans des endroits où elle n'est pas nécessaire, ça aura quand même un coût, parce qu'il y aura quand même des contentieux. Je ne vois pas de lien entre la base de perception de la taxe dont on parle et le bénéfice de cette garantie. Donc je crois qu'il faut vraiment la cibler à la fois socialement, c'est-à-dire pour des catégories, les jeunes, les catégories précaires, et la cibler géographiquement, c'est-à-dire aux zones tendues. Il faudrait donc un double ciblage de la GUL, pour résumer, pour rendre ce système plus efficace. C'est ça votre idée? À mon avis. Eh bien, Bernard Worms, merci d'être venu vous en expliquer sur le plateau de Xerficanal. Merci.